Le courage nous permet d'affronter l'accumulation des tâches et les défis qui se profilent à l'horizon. Le courage est la conviction qui est à l'origine des actes de bravoure. D'où vient cette force qui nous pousse à prendre position et à défendre ce qui est juste? Si par exemple un pays en crise a besoin d'un dirigeant, combien de courage faut-il pour se porter volontaire et répondre à cet appel? Nous avons fait cette semaine la connaissance d'une femme nommée Déborah. Elle était à la fois prophétesse et juge en Israël. Une crise s'est déclarée dans laquelle Déborah a été impliquée. Le texte biblique précise qu'il s'éleva après elle, l'ancienne génération, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Quand Israël eut oublié les actions passées de Dieu, il se mit à enfreindre ses lois et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 17, verset 6. Israël avait besoin d'un juge fort et Dieu appela Déborah. Il faut du courage pour se porter volontaire lorsqu'on se moque de quelqu'un et que personne d'autre n'élève la voix. Il faut du courage pour s'en tenir à ses valeurs lorsque les gens autour de soi boivent ou consomment de la drogue. Il faut du courage pour se porter volontaire pour servir une soupe populaire. Il faut du courage pour laisser tomber une relation abusive. Tout comme Dieu a donné du courage à Déborah, à Josué et à d'autres dirigeants bibliques, il peut te donner le courage de prendre position en faveur de ce qui est juste. Ce que Dieu a dit à Josué, il te le dit aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9.